Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les mangas que j'ai achetés. Et j'avais déjà de la saison 2, le tome 1 à 4 que j'ai dû vous montrer l'autre fois. Donc avec la mocha vampire, Cocoa, Mizore et Ruby. J'avais dû vous montrer l'autre fois. Donc là, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté Pokémon aussi, saison 10, épisode 1 à 26. J'ai trouvé d'occasion. Donc, je l'ai pris vu que ça me rappelait des souvenirs. Avec mon frère, il les avait en cassette. Mon grand frère. Ouais, mon grand frère était fan de Pokémon. Je sais. Mais il avait les cassettes du tout premier voyage de Sacha. Où Pikachu arrêtait pas de l'électrocuter et tout. Avant qu'il devienne ami. Voilà. Dommage que j'ai pas trouvé la saison 1. Ça aurait été cool. Donc ça se présente comme ça, sur tous les DVD, il n'y a pas d'image. Voilà, donc j'ai lu le tome 5 de Rosario Vampire saison 2, vu que j'avais déjà lu jusqu'au 4, mais j'avais le 13 comme ça. Mais je l'ai pas encore lu parce que je voulais voir la suite. Et comme j'ai pas tout, là j'ai pris 5, 6. Là j'ai 10, 12, 13, 14. Il faudra que je prends après le 6. Donc dès que je prendrai le 7, le 8. Tout ce qui me manque sur ce manga là, je le prendrai. Parce que j'aime bien Rosario Vampire. Et comme j'ai toute la saison 1, je voudrais bien trouver le reste de la saison 2. Et oui. Quand on est fan de manga de vampires, on a un petit poster avec Mocha. Donc c'est pas rétroverso, il y a juste une surface. Voilà. Le tome 6. Donc j'ai commencé à le lire. Donc voilà, c'est avec Mocha. Et Yukari. Vraiment que je prenne des marque-pages parce que j'aime pas trop mettre comme ça, même si ça sert bien.
Donc voilà. Et derrière. Bon, celui-là, je l'ai acheté à Easy Cash. Comme celui-là. Et ceux-là, je les ai achetés à Gamers. Eux, ils mettent pas d'étiquette, donc c'est sympa. Parce que à Easy Cash, ils mettent des étiquettes et quand on les tire, c'est difficile à tirer des trucs adhésifs sur des livres. Donc voilà. Donc à Gamers, il y a juste un panneau marqué 3 euros. Donc j'ai acheté ces 4 là. J'avais 8 euros et il me manquait 1 euro, mais il m'a fait une petite réduque pour 1 euro. Il a dit c'est pas grave, donc il est assez sympa. Donc pour 8 euros, j'ai eu 4 tomes. Autrement, j'étais obligée de prendre juste un tome. Ça sera sympa à lire. Mais bon, c'est comme les autres. J'attendrai d'avoir ceux-là avant de lire les tomes presque à la fin. Et ouais. Oh là là, Ruby. Ah, Ruby est dans les mangas, elle met des trucs osés, c'est horrible. Puis en plus, elle a l'air d'aimer ça. C'est supposé. Mais bon. J'aime bien les caractéristiques des personnages, donc ça me dérange pas qu'elle soit excentrique. C'est Ruby. Coco. Ah, il est sympa. C'est un poster. Ah ouais, c'est un poster. Les frangines. Mocha a de la chance. Elle a 4 frangines. Moi, j'ai que des frères. Tac. Je crois que le trait, je vous avais déjà montré avec mes hôtes. C'est juste que comme j'ai mis ensemble, vu que j'avais pas lu, j'ai oublié de le tirer des thèmes avant de faire ma vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà mon cas. Tome 14. Je crois qu'il n'y a que 14 tomes dans ce manga de la saison 2. En fait, dans la première saison, ils ont fait jusqu'à 10 tomes. Et là, ils ont fait un peu plus pour la saison 2. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop chou. Il y a tout le monde dessus. Voilà. J'adore les mangas qui sont épais. Il y a beaucoup de pages à lire quand ils sont épais. Alors, j'ai pris, comme j'adore Alice au Pays des Merveilles, et ben là, j'ai pris un manga. C'est Alice au Royaume des Cœurs. Enfin, je pensais pas de trouver un manga sur Alice. Mais bon, j'ai trouvé. Il a l'air d'être sympa, je vais le lire tranquillement. Ouais, celui-là j'ai eu à Bicash, 2,50 €. Ouais. J'ai déjà commencé à le lire. Est-ce qu'il y a page en couleur dedans ?
Non, je crois pas qu'il y a pas de page en couleur. Autrement, je vous aurais bien montré les pages en couleur, mais là, il n'y en a pas sur ce manga. Voilà. Donc, je vous montre pas les pages trop beaucoup parce que. Comme je suis à craindre de commencer à le lire, j'ai pas envie de voir toutes les pages défiler. Voilà, ce sera tout pour cette pile de manga. Je vous laisse, à bientôt. Bye!